Bonjour à tous, and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 15, leçon A. And in this lesson, we'll see together les mots exclamatifs, and especially what we call les adjectifs exclamatifs. So, les adjectifs exclamatifs, well, actually, it won't be that difficult because we already know them. Okay. We're talking about QUEL for the masculine. Singular form, then kel for the feminine, singular form, and then for the plural form, so kel, and then plural form of the feminine, kel, like that. So the first thing, the good news is that if you listen carefully, kel, 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 okay, so phonetically you get only one form. Of course, when you get this s well, if you've got a vowel after, then you will have to make this liaison. but then, clearly, the basic form like that, phonetically, it's the same. okay, we know them already because normally we use them when we ask questions. okay, this what thing is quel in french. okay, but then, of course, we've we'll got to put. Uh, the correct form according to the word it is connected to, so according to the gender, whether it's masculine or feminine, and then if it's singular or plural. Okay, and let's see how it will go. Sorry, not just before that, in most of the cases, and I insist on the most of the cases because we're not talking about all the cases, then when you will build this type of sentence and we'll see that uh, in a few seconds so the type of sec uh, of sentence that will include this more exclamative so the one we saw in most of the cases you won't use the verb okay so let's see now a few examples the first one so with quel okay so, this is the sentence that could illustrate quite well the use of quel QUEL beau vélo. Okay? Point d'exclamation. Well, you just want to say, what a beautiful bike. I mean, translation in English is exactly the same. Okay? And then you can see that in this, in this sentence, you don't need to put the verb after or then, I mean, in the sentence anyway. Quel beau vélo. Well, you could say, quel beau vélo. Tu as, for instance, you have. What a beautiful bike you have. But then, in most of the cases, we don't need to put the verb, so we'll use this structure. Quel beau vélo. And don't forget to put this point d'exclamation at the end, okay? Because that's the whole concept of that the thing, and we're, we're talking about les mots exclamatifs, okay? Quel beau vélo tu as, okay? And then, well, feminine form, and then the singular. It could be, you could use this. Quelle gentille serveuse, ok? What a nice uh, waitress. Quelle gentille serveuse, d'accord? When we're talking about the plural form, then it could be quels enfants sportifs, ok? So you notice here that I've been making the liaison. So quels enfants sportifs, all right? And the last one for the feminine plural, quelle fille intelligente, ok? So quel beau vélo. Quelle gentille serveuse, quels enfants sportifs, quelle fille intelligente. So you can see that it's actually quite easy to construct these structures and to use the these um more uh, exclamative. So if we're talking about these adjectifs exclamatifs here, quel, quel »,« quel, quelle. Okay. And then don't forget to put the point d'exclamation at the end of your sentence. That's it for this lesson. If you want more videos, then YouTube.com/imagier, and then I'm also on Facebook, so it's right here, and the website is waiting for you: www.imagier.net. Have a great day. Bye bye. Les mots exclamatifs and especially les adverbes exclamatifs, okay? So les adverbes exclamatifs, well actually they won't be that difficult because we will see in this lesson, the first one will be que, then the second one will be ce que, and the last one will be comme, okay? So in that case, we're talking about exclamatif, so exclamation, so it does mean that, well. you could say to someone tu es intelligent you are intelligent okay but then of course if you want to insist if you want to put this exclamation concept in that well first you need to put this point exclamation at the end and of course normally you will if it's orally you will tend to modify a little bit the sentence and the way you pronounce this sentence so you will insist like ah tu es intelligent okay but then of course we've got these adverbs and then we can use them it will be quite simple the first one actually que you just need to add it at the beginning of your sentence okay so we've got exactly the same sentence as we had previously so in the example tu es intelligent you just need to add this que okay oh, que tu es intelligent Okay, so in that case, well, sorry, I'm, I'm not a good actor, but then <laughs> I try to <laughs> I try my best. But when you put this que in that case, well, you will insist uh, on the fact that you are really, really surprised or amazed. Okay, que tu es intelligent. It will be exactly the same thing if you want to use this ce que. It's a bit more spoken, but still exactly the same way of construction. You just need to put ce que. At the beginning, and you continue your sentence. Oh, ce que tu es intelligent, okay? And the last one, uh, well, comme. So, of course, it's another adverb, but then the meaning will be exactly the same. Comme tu es intelligent, okay? So in. All the three cases, uh, the meaning is exactly the same. Uh, the adverbs will be different, but still, uh, actually, you get the choice. It's quite good. So you can say que tu es intelligent, ce que tu es intelligent, comme tu es intelligent. Okay. Les interjections, and especially the one that will express la satisfaction ou l'accord. So, the first thing that we need to define actually is uh, what is une in, in interjection. Uh, well, it's exactly the same in English. You know, all these little words that you can, in most of the cases, use. On their own like that, or then you can combine them with uh, a sentence. Okay, and then by using these little words, you will express uh, well shortly your uh, feelings. Okay, so in that case, the thing that we would like to express is la satisfaction or l'accord. Accord. So to agree, agreement. Okay, and then the first option that we could have would be this bien. Okay. Second one will be très bien, third one could be bon, okay? So bien, très bien, bon. Let's see more of them. Bravo would be an option as well. Bravo, super, génial, okay? So bravo. super génial cool parfait chouette cool parfait chouette and then actually it's quite interesting because lately we've been noticing that in French language people tend to use a lot, this trop, uh, too, too much, okay. Trop fort, trop cool, trop bien. Ok? Trop fort, trop cool, trop bien. Les verbes et les prépositions, and it's the part number 5, numéro 5. But then first, we should uh, definitely see some <laughs> Keywords together. The first one will be quelqu'un because I will use these words quite often. So and it means someone, somebody, and then quelque chose means something, quelque part somewhere, someplace. Okay, so let's start right now. And the first verb is donner. Donner means to give. So a uh, first structure that you can make is donner quelque chose. Okay, without any preposition, or then you can have this donner. quelque chose à quelqu'un, ok? Or then donner quelque chose pour quelqu'un, then pour quelque chose. Alright, so one more time, donner, donner quelque chose, donner quelque chose à quelqu'un, donner quelque chose pour quelqu'un ou pour quelque chose, ok? Second verb, douter, d'accord? Douter and then first structure, douter de quelqu'un ou de quelque chose. Second structure douter de plus, and then the verb should be at the infinitive form, infinitif, or then the last structure douter que, and then your verb should be at the subjonctif form. Okay, so one more time douter, douter de quelqu'un, douter de quelque chose, douter de plus verbe à l'infinitif, douter que. Plus verbe au subjonctif. Verbe suivant, le verbe échanger. Première structure, échanger quelque chose avec quelqu'un. OK, so no preposition before the quelque chose. Échanger quelque chose avec quelqu'un. Or then, échanger quelque chose contre quelque chose. OK, so two structures. The first one, échanger quelque chose avec quelqu'un the second one échanger quelque chose contre quelque chose okay and then the next verb is écouter so quite useful first structure écouter quelqu'un ou quelque chose so no preposition before then écouter quelqu'un plus verbe à l'infinitif okay and the last one écouter ce que plus verbe à l'indicatif okay so one more time écouter quelqu'un Écouter quelque chose, écouter quelqu'un plus verbe à l'infinitif ou écouter ce que plus verbe à l'indicatif. The next verb is écrire. And écrire is quite important as well because it means to write. First structure, écrire quelque chose, so no preposition before. Écu uh, sorry, <laughs> écrire quelque chose. Then second structure. Écrire quelque chose à quelqu'un. OK. And then, écrire à quelqu'un de... And then the verb should be at the infinitive form. Infinitif. And then, écrire à quelqu'un que... And the verb should be at the indicatif. OK. So, one more time. Écrire quelque chose. Écrire quelque chose à quelqu'un. Écrire à quelqu'un de plus verbe à l'infinitif, on donne écrire à quelqu'un que plus verbe à l'indicatif. OK? The next verb is embrasser, embrasser means to kiss. And then first structure, embrasser quelqu'un, embrasser quelque chose. OK, no preposition. Embrasser quelque chose à quelqu'un. OK, so two structures, embrasser quelqu'un, embrasser quelque chose, and then embrasser Quelque chose à quelqu'un. The next verb is emmener. Première structure, emmener quelqu'un. No preposition. Then, emmener quelqu'un quelque part. Or, then, emmener quelqu'un. And the verb should be at the infinitive form right after. Okay, so one more time. Emmener quelqu'un. Emmener quelqu'un quelque part. Ou emmener quelqu'un plus verbe à l'infinitif. Employer. Let's see how it goes. Employer quelqu'un, employer quelque chose. OK, no preposition. Employer quelqu'un, or then quelque chose. Ah. And in that case, the verb should be at the infinitive form after. okay so one more time. Employer quelqu'un, employer quelque chose. Employer quelqu'un, ou quelque chose. A, and then the verb at the infinitive form emprunter emprunter première structure emprunter quelque chose pas de préposition emprunter quelque chose à quelqu'un OK encore une fois emprunter quelque chose emprunter quelque chose à quelqu'un le verbe suivant next verb is engager Engager quelqu'un, engager quelque chose. OK, so no preposition before. Engager quelqu'un à, and then the verb should be at the infinitive form. And then, engager quelque chose dans quelque chose. OK, so one more time. Engager quelqu'un, engager quelque chose. Engager quelqu'un à, plus verbe à l'infinitif. Engager quelque chose dans quelque chose. Les verbes et les prépositions, and it's the part number six. But then the first thing that we should to uh, see together are the keywords that I will use in this lesson. And the first one is quelqu'un, it means someone, somebody, quelque chose, something, quelque part, somewhere, or someplace. Okay, and we'll see the first verb, and the first verb is enseigner. Okay, so let's start now. Enseigner quelque chose, so without any preposition here. Enseigner quelque chose à quelqu'un. Okay, well then you can use enseigner à, and then the verb that should be after uh, must be at the infinitive form. Okay, enseigner comment. Same thing here, you should put the verb at the infinitive form. Okay, and the last one enseigner que. and then the verb should be at the indicative form be careful it's not because it's introduced by que that it should be at the subjonctif because in that case your verb should be at the indicatif okay so let's see them one more time enseigner quelque chose enseigner quelque chose à quelqu'un enseigner à plus verbe à l'infinitif enseigner comment plus verbe à l'infinitif enseigner que plus verbe à l'indicatif. Verbe suivant, entendre. Entendre quelqu'un, entendre quelque chose. Pas de préposition. Entendre quelqu'un plus verbe à l'infinitif. Entendre quelqu'un ou quelque chose qui. And then the verb should be at indicative form. Entendre que, ok, and in that case you've got two options, whether indicatif or conditionnel. And then the last one, entendre ce que plus indicatif. Ok, so one more time, entendre quelqu'un, entendre quelque chose, entendre quelqu'un plus verbe à l'infinitif, entendre quelqu'un, quelque chose, qui plus verbe à l'indicatif. Entendre que plus verbe à l'indicatif ou verbe au conditionnel. Entendre ce que plus verbe à l'indicatif. Verbe suivant. Entrer. Entrer quelque part. So in that case, we can use many. Prepositions, I just brought three of them, but then it could be « à »,« en »,« dans », etc. on then, « entrer quelque chose ». Ok ?« Entrer quelque part »,« à »,« en »,« dans », etc. « Entrer quelque chose ». Verbe suivant, verbe « envoyer envoyer ». Première structure, envoyer quelqu'un, envoyer quelque chose, pas de préposition, envoyer quelqu'un ou quelque chose quelque part. OK Envoyer quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un. Envoyer plus infinitif. And the last one, envoyer Quelqu'un plus infinitif. Ok, so let's see them one more time. Envoyer quelqu'un, envoyer quelque chose. Envoyer quelqu'un ou quelque chose quelque part. Envoyer quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un. Envoyer plus verbe à l'infinitif. Envoyer quelqu'un plus verbe à l'infinitif. Verbe suivant, verbe espérer. Première structure, espérer quelque chose. Pas de préposition Espérer plus infinitif. Espérer que plus indicatif. D'accord Une fois. Encore une fois, sorry about that. Espérer quelque chose. Espérer plus infinitif. Espérer que plus indicatif. Verbe suivant. Essayer. Première structure. Essayer quelque chose. Pas de préposition ici. Deuxième structure. Essayer de plus infinitif. OK, seconde montre. Essayer. Essayer quelque chose. Essayez de plus infinitif. Verbe suivant, verbe excuser. Première structure, excuser quelqu'un, excuser quelque chose. Pas de préposition. Deuxième, excuser quelqu'un pour quelque chose. Troisième structure, excuser quelqu'un de quelque chose. Dernière structure, excusez de plus infinitif. Ok, so, excusez, excusez quelqu'un, excusez quelque chose, excusez quelqu'un pour quelque chose, excusez quelqu'un de quelque chose, excusez de plus infinitif. Verbe suivant verbe expliquer. Expliquer. Expliquer quelque chose. Pas de préposition. Expliquer. Sorry. Expliquer quelque chose à quelqu'un. Expliquer comment plus infinitif. Well then it's also possible to use this. Expliquer comment plus verbe à l'indicatif expliquer ce que plus verbal indicatif. l'indicatif expliquer que plus verbal indicatif, l'indicatif or it's also possible to use the subjunctive form okay if you've got a doubt here whether you should use indicatif or subjunctive, i've i've been making some videos regarding the different of uses Uh, concerning indicatif and subjonctif, so you should definitely have a look at these videos. Okay, one more time. Expliquer quelque chose, expliquer quelque chose à quelqu'un, expliquer comment plus infinitif, expliquer comment plus indicatif, expliquer ce que plus indicatif, expliquer que plus indicatif ou subjonctif. Verbe suivant, verbe falloir. Falloir. Première structure falloir quelque chose, so no preposition before. Deuxième structure falloir quelque chose à quelqu'un. Troisième structure falloir plus verbe à l'infinitif. Falloir quelque chose pour plus verbe à l'infinitif. And last but not least, falloir que plus verbe au subjonctif. Ok, one more time. Falloir quelque chose, falloir quelque chose à quelqu'un, falloir plus infinitif, falloir quelque chose pour plus infinitif, falloir que plus subjonctif. Verbe suivant, verbe féliciter. Première structure, féliciter quelqu'un pour quelque chose. Deuxième structure, féliciter quelqu'un de quelque chose. Troisième structure, féliciter quelqu'un de plus verbe à l'infinitif. OK, so one more time, féliciter. Féliciter quelqu'un pour quelque chose. Féliciter quelqu'un de quelque chose. Féliciter quelqu'un de plus verbe à l'infinitif. Les verbes et les prépositions. And it's the number eight. Okay. So, but before starting, we should definitely see some key words together because I will use them quite often in this video. The first one is quelqu'un and it means someone or somebody. Then quelque chose, something, and then quelque part, somewhere or someplace. OK, and we can start with the first verb and it is fermer. OK, so let's see now the structures we've got with fermer. And first one, le, la première, c'est fermer quelque chose. OK, pas de préposition. Fermer quelque chose. Deuxième structure, fermer quelque chose à quelqu'un ou quelque chose. OK, encore une fois, fermer quelque chose, fermer quelque chose à quelqu'un ou quelque chose deuxième verbe verbe finir verbe finir première structure finir quelque chose pas de préposition finir quelque chose finir quelque chose plus un adverbe finir par quelque chose finir avec quelque chose finir par plus verbe à l'infinitif finir de plus verbe l'infinitif, ok, so you can see many structures, so we will see them one more time. Finir quelque chose, finir quelque chose plus un adverbe, finir par quelque chose, finir avec quelque chose, finir par plus verbe à l'infinitif, finir de plus verbe à l'infinitif. Verbe suivant, verbe fonder, fonder. Regardons les structures ensemble. Fonder quelque chose, pas de préposition. Fonder quelque chose sur quelqu'un ou quelque chose. OK, so one more time, encore une fois. Fonder quelque chose, fonder quelque chose sur quelqu'un ou quelque chose. Verbe suivant, verbe forcer, forcer. Première structure, forcer quelqu'un, forcer quelque chose, pas de préposition. Forcer Quelqu'un a quelque chose. Forcer quelqu'un a plus verbe à l'infinitif. OK Encore une fois, forcer quelqu'un, forcer quelque chose, forcer quelqu'un a quelque chose, forcer quelqu'un a plus verbe à l'infinitif. Verbe suivant, verbe gagner. Gagner Trois structures. Première structure, gagner quelque chose. Pas de préposition. Gagner quelque chose. Gagner en quelque chose. Troisième structure, gagner à plus verbe à l'infinitif. Gagner quelque chose. Gagner en quelque chose. Gagner à plus verbe à l'infinitif. Verbe suivant. Verbe garder. Garder. Trois structures, garder quelqu'un, garder quelque chose. Pas de préposition. Garder quelque chose de quelqu'un, garder quelque chose à quelqu'un. D'accord Garder quelqu'un, garder quelque chose, garder quelque chose de quelqu'un, garder quelque chose à quelqu'un. Verbe suivant, verbe grandir. Grandir, trois structures possibles. Grandir quelqu'un pas de préposition grandir de quelque chose grandir de plus verbe à l'infinitif d'accord trois structures la première grandir quelqu'un grandir de quelque chose pour la deuxième grandir de plus verbe à l'infinitif pour la troisième verbe suivant verbe grossir 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 quelqu'un ou grossir quelque chose. Grossir de quelque chose. Donc grossir quelqu'un, grossir quelque chose, grossir de quelque chose. Verbe suivant, verbe habiller, habiller, habiller quelqu'un, habiller quelque chose. Habiller quelqu'un en quelqu'un ou quelque chose. D'accord Habiller quelqu'un, habiller quelque chose, habiller quelqu'un en quelqu'un ou quelque chose. Verbe hésiter, hésiter, hésiter entre quelqu'un, quelque chose et quelqu'un ou quelque chose. Ok Hésiter dans quelque chose. Hésiter sur quelque chose. Et le dernier, hésiter à plus verbe à l'infinitif. D'accord Donc encore une fois, hésiter entre quelqu'un, quelque chose et quelqu'un ou quelque chose. Hésiter dans quelque chose. Hésiter sur quelque chose. Hésiter à plus verbe à l'infinitif. Les verbes et les prépositions, et c'est le numéro 9. Mais then before starting, we should definitely see some keywords together because I will use them quite often in this video. So quelqu'un, quelque chose, quelque part. Ok? Quelqu'un, quelque chose, quelque part. Et le premier verbe est le verbe ignorer. Ignorer, ignorer quelqu'un, ignorer quelque chose. Pas de préposition. Ignorer que plus verbe à l'indicatif. Ignorer si plus verbe à l'indicatif. D'accord Ignorer quelqu'un, ignorer quelque chose. Ignorer que plus verbe à l'indicatif. Ignorer si plus verbe à l'indicatif. Imaginez. Imaginez quelqu'un, imaginez quelque chose. Pas de préposition. Imaginez quelqu'un plus infinitif. Imaginez plus infinitif. Imaginez que plus verbe à l'indicatif. D'accord Imaginez quelqu'un, imaginez quelque chose. Imaginez quelqu'un plus infinitif. Imaginez plus infinitif, imaginez que plus indicatif. Verbe suivant, imposer. Imposer quelqu'un, imposer quelque chose. Pas de préposition. Imposer quelqu'un quelque chose à quelqu'un quelque chose. Imposer à quelqu'un de plus. Infinitif. Imposer que plus subjonctif. Donc imposer quelqu'un, imposer quelque chose, imposer quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un ou quelque chose, imposer à quelqu'un de plus infinitif, imposer que plus subjonctif. Verbe suivant indiquer indiquer quelque chose indiquer quelque chose à quelqu'un indiquer que plus indicatif indiquer comment plus infinitif indiquer quelque chose indiquer quelque chose à quelqu'un indiquer que plus indicatif indiquer comment plus infinitif. Verbe suivant interdire. Interdire quelque chose, interdire quelque chose à quelqu'un, interdire de plus infinitif. D'accord Interdire quelque chose, interdire quelque chose à quelqu'un, interdire de plus infinitif introduire oops, be introduce here, say is missing. introduire quelque chose introduire quelque chose dans quelque chose introduire quelqu'un auprès de quelqu'un d'accord introduire quelque chose introduire quelque chose dans quelque chose introduire quelqu'un auprès de quelqu'un Inviter, inviter quelqu'un, inviter quelqu'un quelque part, inviter quelqu'un à plus infinitif, inviter à quelque chose. D'accord Inviter quelqu'un, inviter quelqu'un quelque part, inviter quelqu'un à plus infinitif, inviter à quelque chose. Jeter, jeter quelqu'un dehors. Jeter quelque chose, jeter quelque chose quelque part. Jeter quelqu'un dehors, jeter quelque chose, jeter quelque chose quelque part. Verbe jouer. Jouer quelque chose. Jouer avec quelqu'un ou quelque chose. Jouer à quelque chose. Jouer de quelque chose. Jouer quelque chose. Jouer avec quelqu'un ou quelque chose. Jouer à quelque chose. Jouer de quelque chose. Laisser. Laisser quelqu'un laisser quelque chose. Laisser quelqu'un ou quelque chose quelque part. Laisser quelqu'un ou quelque chose plus infinitif. Laisser quelqu'un quelque chose à quelqu'un. Laisser à plus infinitif. Encore une fois, laisser quelqu'un, laisser quelque chose, laisser quelqu'un ou quelque chose quelque part, laisser quelqu'un ou quelque chose plus infinitif, laisser quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un, ou laisser à plus infinitif.